Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves tout seul chez toi après une dure journée de boulot? Ah putain, ah, ça c'est trop bien ça. En premier, je prends le temps. Bah, je glande. Je fais la morte. Je me fous en slow-bar. En pyjama. Sur le canapé et je glande. Je vais faire réchauffer le plat qui m'en reste depuis 3 jours. Moi, généralement, c'est la télévision qui remplit mon oisiveté. J'avoue, je regarde beaucoup de séries. Je joue à l'ordinateur. Je joue un peu la console, je fais des pétards. J'en profite pour aller sur YouTube. Généralement, les scénarios sont pas très intéressants. Je fais de l'administratif. Faire des papiers. Je me fais un petit thé, un petit café. Retravailler des photos. Je me crée une petite clope. Je bois une bière et je mange un burger. Du rangement, du tri. Je mets de la musique et je danse toute nue chez moi. Il peut m'arriver de prendre un bain et de fumer un joint. Un cocktail chez moi. Petit coup de vaginette. Vibromasseur. Ma cause. Ah, c'est la chaleur ici. Et comment tu réagis si quelqu'un vient t'emmerder alors que t'es enfin peinard? Ah bah je l'envoie chier direct, hein. J'ai horreur de ça. Ça fait vraiment pas rire. Je fais semblant d'être occupé. Bah au téléphone je réponds pas. Et si on sonne chez moi je réponds pas. Parce que je serais pas trop agréable. Mais quand quelqu'un me dérange c'est... Déjà je cache tout mon attirail, c'est-à-dire mon pénis à l'air. Bah écoute, je suis en train de danser toute nuit, on se rappelle plus tard parce que là, je suis un peu occupée. Fais ton truc dans ton coin et moi je ferai le truc dans mon coin. Je préfère glander dans mon coin que faire semblant de rire à tes blagues. Moi j'essaie de l'engager dans mon activité. La personne qui rentre, elle serait la bienvenue, elle pourrait me rejoindre dans le bain et partager le moment et le spliff que j'ai. Pour moi c'est la fête, toujours, si quelqu'un m'approche. Ça dépend de mon taux d'alcoolémie. C'est drôle votre question, quand j'ai rien à faire, ben, je fais rien. Ça, c'est bien.